Bonjour à tous, bienvenue pour ce 46e vlog ici à Montréal. Je suis très ébloui parce qu'il y a beaucoup de soleil et beaucoup de blanc. Ah, ça j'avais pas vu. Un petit cœur, c'est mignon. Mais ouais, bienvenue pour ce 46e vlog ici à Montréal. Le 45, oui, c'était un condensé de 4 à 5 jours parce que j'avais vraiment, mais vraiment pas le temps de pouvoir les uploader. Mais ouais, bienvenue pour un nouveau vlog. C'est totalement gelé. Là, il y a je sais pas combien de centimètres de neige, mais c'est totalement givré. J'avoue que cette vue, je m'en lasserai pas, quoi. Programme de la journée. Alors là, je m'en vais à Desjardins, ma banque. Parce que je vois qu'ils m'ont imposé, ils m'ont mis des frais bancaires, alors que je ne suis pas supposé en avoir, étant donné que je suis étudiant à l'UQAM et étudiant international. Donc là, je vais les voir, parce qu'ils m'ont dit d'aller passer en banque, en agence. Donc je vais les voir, c'est au complexe Desjardins, forcément. Et après ça, je reviens ici, au palais, pour me prendre mon petit chocolat chaud. Avant d'aller en cours. Et ouais, cours cet après-midi. Et ouais, j'ai une réunion de production qui a lieu à 18h. Donc ça risque d'être fort intéressant. Mais voilà, grosse journée qui s'annonce. Journée, il est 20h30. Mon cours a terminé à 17h, mais ensuite on avait une réunion de production, donc une réunion de production en fait d'une pièce de théâtre. Donc c'était assez long, je veux dire, on va pas se mentir, c'était très long, c'était très intéressant, mais c'était quand même très long, je veux dire, c'était annoncé. Peut-être une heure et demie de réunion, finalement ça a duré 2 heures. Déjà là, il y a eu du retard, ça a commencé en retard, mais ouais. Je suis un peu perturbé mentalement, je veux dire, j'ai mal à la tête, tellement qu'il y a eu tellement d'informations, parce que je dois faire un compte-rendu là-dessus, bien évidemment. Mais ouais, c'est un peu lourd mentalement. C'est ce que je veux faire dans tous les cas après, oula, dans mon métier plus tard. Mais c'est vrai qu'une journée de cours en plus de cette réunion-ci, c'était peut-être too much. Mais ouais. Enfin bref, je rentre chez moi, je mange, je me pose. Je ne pense plus à ça. Genre le compte-rendu, je pense pas le faire ce soir à chaud, mais peut-être demain. On verra. Et voilà. C'est parti.
est 5h30, fin de journée pour moi, vendredi. J'ai pu faire pas mal de plans, de dessins, vous avez pu voir. Donc j'ai pas forcément filmé mon après-midi. Genre j'ai pu aller à la coop, etc. Acheter quelques outils pour terminer mes plans. Parce qu'on doit tout recommencer au propre pour dans 3 semaines. Ça c'est cool. Mais ouais, j'ai pas filmé, on va dire, l'entièreté de mon après-midi parce que c'était à peu près similaire. Je veux dire, à part mettre des plans timelapse, différents points de vue, c'était pas intéressant. Mais ouais, là je rentre chez moi, je me pose un peu, je mange un petit peu, je goûte un peu. Et je repars, je finalise ma commande Walmart. Je vais à IGA pour acheter les produits manquants à Walmart qui ne sont pas. Je vais à IGA, oui, pour les produits manquants de Walmart. Et après, je vais à Dolorama pour acheter un étui pour mes plombs. Voilà. Bon, c'est parti. Fini IGA Dolorama. Juste petite chose qui était un peu étrange à Dolorama, genre j'ai acheté genre quelques biscuits genre vraiment que je ne trouvais pas à Walmart et IGA et qui étaient moins chers forcément à Dolorama. En fait j'ai payé genre 2 paquets de biscuits à 2$, donc ça fait 4$, mais techniquement avec les taxes etc ça monte peut-être à 5 voire 6$. Un peu étrange, enfin bref. Je raconte ma vie, là je vais prendre le métro et go sortir un peu.